1846. L'anglais Henry Fox Talbot photographie un de ses amis. À côté de lui, un de ses collaborateurs fait de même avec une statue des Trois Grâces et un autre avec une vieille gravure. Capter une image exacte du réel, c'est alors d'une absolue nouveauté. Les premières expériences de Talbot datent de 1830. Il les appelle dessins photogéniques. On pose une plante sur une feuille de papier enduite d'une solution à base de sel de cuisine et de nitrate d'argent. On expose le tout à la lumière et le papier sensible noircit tout autour de la plante qui agit comme un masque. Il n'y a ici aucune volonté de composition, aucune recherche de l'effet, mais le simple plaisir de voir se réaliser, grâce à l'action de la lumière sur les sels d'argent, un rêve vieux de 15 000 ans, l'âge de ses mains apposées par les hommes du néolithique sur la paroi d'une caverne, dont un mélange de pigments et de salive a fixé les contours. Mais tout comme ces pochoirs néolithiques, les dessins photogéniques de Talbot ne sont encore que des empreintes, des ombres. La véritable image du réel, avec ses pleins et ses creux, apparaît en 1839. C'est le daguerréotype, nommé d'après le français Daguerre. L'image captée sur une plaque de cuivre est remarquable de finesse et de précision. Mais c'est une image unique, qu'on ne peut ni reproduire ni modifier. Elle reste à jamais telle qu'elle fut prise, transformée seulement par le passage du temps, l'oxydation, les éraflures. Quelques mois plus tard, Talbot met au point le calotype. L'image est captée sur une simple feuille de papier enduite d'iodure d'argent. Elle est négative, les blancs et les noirs y apparaissent inversés. Cette image originale est placée sur une autre feuille de papier sensible et exposée à la lumière. On obtient alors une image positive, le tirage. La dissociation du négatif et du positif qui va déterminer la pratique photographique pour les 150 ans à venir, est un pas décisif. Un négatif original unique permet désormais de multiplier les tirages et d'en modifier la teinte ou la densité. La photographie n'est plus une simple technique permettant de fixer une image du réel, elle peut désormais l'interpréter. Dans un livre vantant les avantages de son procédé, Talbot donne en exemple cette photographie de porcelaine. Prise en quelques secondes, elle peut, selon lui, remplacer de fastidieux inventaires et servir de preuve en cas de casse ou de vol. Pour Talbot, toutefois, la rigueur documentaire n'est pas tout. On peut admirer la finesse de ce calotype qui permet de distinguer le moindre brin de paille d'une meule en plein soleil. Mais ce qui rend l'image remarquable, c'est l'opposition entre les masses de la meule et la diagonale d'une échelle, placée là très probablement par le photographe. C'est un travail de composition, tout comme cette autre photographie intitulée L'échelle. La même sans doute. L'échelle et son ombre, le positif et le négatif. Le photographe, dit Talbot, doit regarder le monde avec l'œil d'un peintre. Quitte à prendre un véritable peintre pour conseiller, comme il le fit pour cette photographie intitulée La porte ouverte. Le parallélisme de la diagonale, de l'ombre et du manche à balai est trop parfait pour être honnête. Au même moment, le français Hippolyte Bayard réalise cette image, elle aussi tout en diagonale, dans la tradition de la grande peinture. C'est un autoportrait de l'artiste en cadavre, dit la légende rédigée par Bayard. Il s'est noyé de désespoir parce que le procédé photographique dont il est l'inventeur n'a pas été reconnu. Sa tête et ses mains commencent à pourrir. Pour la première fois, un photographe joue de l'apparente authenticité de la photographie pour créer une fiction. Entre documentaire et mise en scène, la photographie, dès ses débuts, s'interroge sur sa véritable nature. Difficile d'imaginer plus rudimentaire que les appareils qui ont pris ces images. De simples caisses de bois munies d'objectifs dont l'obturation se fait à la main à l'aide d'un bouchon ou d'un clapet. Le temps d'exposition est calculé au jugé. Il n'y a pas d'industrie. Chaque photographe fabrique lui-même ses papiers, cherchant sans cesse à améliorer la recette. Celle du papier albuminé, pour les tirages positifs apparus vers 1850, nécessite des dizaines d'œufs battus en neige. On laisse reposer 24 heures. On récupère l'albumine qui s'est déposée au fond du récipient. On y trempe la feuille de papier qu'on met ensuite à égoutter et à sécher. C'est en France et en Angleterre que cette photographie artisanale se développe le plus rapidement, attirant surtout des peintres qui y voient la possibilité de donner une nouvelle direction à leur carrière. D'autres prennent quelques leçons et s'improvisent photographes à l'occasion d'un voyage lointain comme celui de l'écrivain Maxime Ducamp en Égypte en 1850. Ducamp en rapporte des images frontales, sans apprêt ni couleur locale. Seule concession au pittoresque, le batelier nubien qui monte sur les monuments pour en donner l'échelle. Peu sensibles, les négatifs papiers nécessitent encore des temps de pose de plusieurs dizaines de secondes, trop lents pour capter le mouvement, la vie comme elle va. Un simple passant ne laisse aucune trace sur l'image, sauf s'il s'arrête un instant et qu'en repartant, il abandonne derrière lui son fantôme transparent. Mais la photographie des premiers temps fait merveille avec l'immobile, le monumental qu'elle saisit avec une rigueur et une précision que ni le dessin ni la peinture ne peuvent égaler. En France, les photographes les plus importants se tournent tout naturellement vers la photographie d'architecture. C'est le cas d'Édouard Baldus, auteur de cette image de l'église de la Madeleine à Paris, qui, avec cinq autres photographes, va se retrouver engagé en 1851 dans un des projets les plus ambitieux de l'histoire de la photographie du XIXe siècle. Un grand inventaire photographique du patrimoine architectural français, commandé par l'État aux photographes les plus connus de l'époque. Outre Édouard Baldus, on y retrouve Hippolyte Bayard, Henri Le Sec, Gustave Legrès et Olivier Mestral. Payés chacun 5000 francs de l'époque, ils parcourent le pays pendant un an et photographient 175 monuments, églises, châteaux, ouvrages d'art. Leurs clichés, livrés à l'administration, disparaissent ensuite pendant plus d'un siècle dans le gouffre des archives. Mais Baldus, comme d'autres, poursuit le travail pour son propre compte et publie de somptueux albums de tirages originaux de ses photographies de monuments. Aujourd'hui, ces images peuvent paraître banales. Mais à l'époque, elles suscitent l'étonnement et l'admiration. Pour la première fois, les gens peuvent, sans sortir de chez eux, voir le monde tel quel, dans sa vérité. Ou du moins le croit-il. Le cloître Saint-Trophime à Arles, photographié par Baldus. Une image rigoureuse et rigoureusement impossible à réaliser avec les techniques de l'époque. C'est en fait un assemblage de dix négatifs différents, tous mis au point et exposés en fonction de leur emplacement dans la perspective. Baldus ne peut pas faire autrement. Son objectif ne lui permet pas de cadrer en même temps la voûte et le sol. Il n'a aucun moyen d'équilibrer les écarts de lumière et les contre-jours, ni d'être net sur toute la profondeur de l'image. Les négatifs sont découpés et collés, des retouches viennent masquer les raccords et renforcer les détails. Certaines parties, comme la voûte, sont tout simplement peintes. À travers ces manipulations, Baldus ne cherche pas à tromper il veut retrouver ce que son œil peut voir et que son appareil n'arrive pas à capter. Les mêmes contraintes techniques obligent le photographe Gustave Gray à truquer ses images de bord de mer. L'écart de luminosité entre la surface de l'eau et le ciel est trop grand. Pour saisir la texture et le miroitement de la mer, le photographe doit surexposer le ciel, qui n'a plus dès lors ni matière ni relief. Mais il dispose d'une autre image, un beau ciel nuageux au-dessus d'une mer totalement sous-exposée. Il isole ce ciel et le place au-dessus de sa mère miroitante obtenant ainsi une image spectaculaire et tout à fait réaliste même si elle n'a jamais existé Pour ces marines, Gustave Legrès utilise un autre procédé apparu vers 1850, le collodion humide, dont il est un des inventeurs et qui permet d'obtenir des négatifs d'une très grande finesse avec une belle gamme de gris. Le collodion est du coton poudre, un puissant explosif dissous dans l'éther. Le mélange est étalé sur une plaque de verre qui remplace le papier. La qualité du négatif dépend de la régularité de la couche, ce qui demande un beau tour de main. Mais le plus contraignant est que la plaque de verre doit être préparée dans les minutes précédant la prise de vue et développée tout de suite après. Une technique délicate et risquée, comme en témoigne le destin de cette mouche, piégée à jamais par le collodion humide d'une photographie prise en Russie il y a 150 ans. Pour les prises de vue en extérieur, les contraintes du collodion humide obligent les photographes à transporter avec eux de véritables laboratoires mobiles, comme cette charrette photographique d'un praticien toulousain qui s'en sert pour aller photographier les pèlerins à Lourdes. Ou, plus imposant encore, le chariot photographique que l'anglais Roger Fenton utilise pendant la guerre de Crimée en 1854. C'est la première fois qu'un photographe suit une guerre. L'encombrement de son appareil et le manque de sensibilité de ses négatifs lui interdisent de photographier les combats. La plupart de ses photographies montrent des soldats au repos, certains couchés, ce qui permet de tenir plus facilement la pose, d'autres figés dans un simulacre de gestes et d'attitudes soigneusement mises en scène. La vallée de l'ombre de la mort L'image la plus célèbre de Fenton tire parti de cette immobilité. C'est une ravine où viennent échouer les boulets de canon qui n'ont pas la force d'atteindre les lignes ennemies. Mais cela, l'image ne le montre pas. Seule reste cette vue désolée et sinistre, débarrassée de toute anecdote. Le tirage du positif se fait en plein air, par contact. Le négatif est enfermé dans un châssis de bois avec le papier positif et le soleil, quand il y en a, fait le reste. La jeune actrice Sarah Bernard, photographiée par Félix Nadar. Difficile d'emploi en extérieur, le collodion humide est parfaitement adapté aux portraits en studio. Ancien caricaturiste, Félix Nadar va savoir mieux que tout autre en exploiter les possibilités. À partir de 1854, il réalise une centaine de portraits dont les négatifs sur verre gardent aujourd'hui encore toute leur fraîcheur. Des artistes comme Gustave Courbet, des poètes, des amis comme Charles Baudelaire. Baudelaire n'aime pas la photographie. Il trouve son exactitude obscène, ne laissant aucune place à l'imagination et à l'art. Ironie de l'histoire, Nadar a gardé dans ses archives cet autre portrait de Baudelaire, une image floue, techniquement ratée, mais parvenant à capter par son imperfection même ce que Nadar appelle la ressemblance intime. Les portraits de Nadar vont à l'essentiel. Aucun décor, aucun artifice ne vient troubler la relation entre le photographe, la lumière et le modèle. Il n'y a pas de photographie artistique, écrit-il. Il y a, en photographie comme partout, des gens qui savent voir et d'autres qui ne savent même pas regarder. Pour d'autres, au contraire, la photographie sera artistique ou ne sera pas. 1856. La jeune photographie offrant à la peinture un pinceau supplémentaire. L'auteur de cette allégorie, l'anglais Oscar Raylander, utilise toutes les ressources de la mise en scène et du photomontage pour fabriquer des images édifiantes capables de rivaliser avec la grande peinture. Tête de Saint Jean-Baptiste, 1858, servie sur un plateau. Moins improbable, mais tout aussi truqué, cette scénette intitulée Gamin des rues jouant aux osselets avec des marrons. Le jeune figurant suit des yeux le marron en plein vol. Mais en 1857, la photographie est incapable de saisir un mouvement aussi rapide. Le marron est en fait suspendu au bout d'une ficelle qu'une retouche fait ensuite disparaître. On dit que pour déterminer le temps de pause de ses photographies, Raylander mesurait la lumière en observant les dilatations et les contractions des pupilles de son chat. En 1857, pour son œuvre la plus ambitieuse et la plus célèbre, il a sollicité l'animal au minimum 30 fois. Il a en effet photographié séparément 30 groupes de personnages, puis assemblé les négatifs ainsi obtenus pour créer une composition cherchant à rivaliser, par sa complexité du moins, avec les grands tableaux de la Renaissance italienne. Le tirage du positif se faisant par contact, sans possibilité d'agrandissement, il a dû procéder dans l'ordre. Pour construire une perspective cohérente, il a d'abord photographié et placé tous les personnages du premier plan. A partir d'eux, il a calculé la taille des figures du deuxième plan, puis du troisième. Il lui a fallu six semaines pour réaliser cette scène de grande ampleur, dans un studio de quelques mètres carrés, éclairé uniquement par la lumière naturelle. Le décor est pareillement truqué. La grande tenture est un petit rideau. Les colonnes, les murs et la découverte sont des dessins de quelques dizaines de centimètres de haut. L'œuvre, qui mesure 78 cm sur 40, est intitulée Les deux modes de vie. Elle montre à droite le chemin de la vertu, fait d'études, de chasteté, de charité et de repentir. Et à gauche, le chemin du vice où règne l'intempérance, la luxure, le jeu et d'autres frivolités. Au milieu, un père et ses deux fils au goût résolument opposé. L'image connaît un grand succès. La reine Victoria en achète un exemplaire. Mais la représentation de vraies femmes nues fait scandale. À Edinburgh, on l'expose en masquant la partie gauche. Dans un autre tirage, on demande à Raylander de corriger la position de la tête du père afin qu'il regarde du bon côté. Henry Peach Robinson, lui aussi peintre de formation, utilise la même technique pour un résultat plus étrange. Quatre négatifs composent cette scène apparemment banale, dont chaque personnage a été photographié à part, seul moyen pour qu'ils soient tous nets et bien éclairés par la lumière naturelle. Le montage les réunit dans la même pièce, tout en laissant chacun solitaire dans son espace. C'est l'image qui a rendu Robinson célèbre en 1858. Elle porte un titre énigmatique, Fading Away, c'est-à-dire, elle se meurt. Mais on ne sait pas de quoi. À l'époque, les critiques parlent de tuberculose. Mais Robinson a commercialisé à part une des études pour la figure de la jeune mourante sous le titre Elle n'a jamais dit son amour. Une autre fenêtre donnant sur une mer éclairée par la lune. Deux enfants dorment dans la pièce baignée d'une lumière de plein jour, totalement irréelle. The Sleep, Le Sommeil, de Robinson, 1858. Le montage des différents éléments crée un monde fantastique à force d'être trop net, trop clair. On voit tout, mais on ne sait pas où on est. Qui sont ces enfants Pourquoi ces chaussures noires, curieusement grandes, bien mises en évidence comme pour faire pendant aux fleurs blanches Le plus troublant, c'est l'accumulation de tous ces détails sur un même plan. Voir tout cela en même temps n'est possible qu'en rêve. Dans le monde réel, qui a la préférence des photographes français, le flou reprend ses droits. Charles Nègre, scène de marché au port de l'hôtel de ville, à Paris, 1851. Le flou de bouger des personnages et le flou de profondeur de champ des maisons à l'arrière-plan donnent à la photographie une profondeur mouvante qui est celle de la vie elle-même. Il en va de même dans cette photographie d'Henri le Sec de 1850 où le flou des arbres les transforme en un simple arrière-plan, soulignant la force minérale des rochers de la forêt de Fontainebleau. Des images où le photographe choisit de ne pas tout montrer, sacrifiant l'accessoire pour souligner l'essentiel, laissant l'obscurité faire jeu égal avec la lumière, comme dans cet autre cliché de Le Sec, pour que la photographie ne soit plus une simple copie du réel, fausse à force d'être exacte comme le dit Delacroix. Portrait de Marie-Laurent par Nadar, 1856 Vers 1860, Nadar fait un autre choix, encore plus radical. Après avoir réalisé une centaine de portraits, il se désintéresse de la photographie et se consacre au voyage aérien, au vol en ballon, au premier prototype d'hélicoptère. Et il n'est pas le seul. Comme s'il s'était donné le mot, pratiquement tous les grands photographes français et anglais, qui se sont battus pour la reconnaissance de leur art, se détournent de la photographie à la fin de la décennie. Roger Fenton, juriste de formation, revend tout son équipement et retourne au droit. Oscar et Lander se remettent à la peinture, tout comme Henri Le Sec. D'autres, comme Charles Nègre ou Hippolyte Bayard, cessent pratiquement toute activité et sombrent dans l'oubli. C'est la fin d'un rêve, la fin de l'aventure de cette génération d'artistes bricoleurs que Nadar a appelé les primitifs de la photographie. La fin d'un âge d'or où tout était à créer et tout semblait possible une parenthèse exceptionnelle qui aura duré dix ans entre le temps de l'invention et le temps de l'industrie.